va ? Je suis venu à Rome avec mon avocate, maître Antoinette Fretti, parce que j'ai eu vent jusqu'à Paris, c'est sorti d'ailleurs dans la presse française, que Luigi Ventura serait victime d'un complot, LGBT de la part de la mairie de Paris. C'est vrai que le terme agression sexuelle est un peu, j'allais dire, entre guillemets, fourre-tout. Mais pénalement, c'est ça. Et là, je reviendrai mercredi, vraisemblablement, avec son frère et mon oncle qui... Et j'ai passé deux jours, mais vraiment deux jours pleins, avec mon avocate, à déconstruire point par point l'entreprise de démolition de Luigi Ventura à mon encontre. Il m'attaque sur ce que je suis, sur ma sexualité, sur mes fonctions, sur mon engagement politique, mais jamais ne répond sur les accusations que nous portons contre lui. Ecclésiastique, spécialiste du droit canonique avec qui nous avons parlé des suites judiciaires. Six des victimes sont françaises, nous devons donc être protégés par le gouvernement français. Et je demande au Vatican, c'est-à-dire au pape, d'accepter cette demande de levée d'immunité diplomatique.